Les étiquettes Bureau Vallée, vous les côtoyez tous les jours, mais savez-vous réellement ce qu'elles signifient ? Tout a commencé en 2006 au séminaire Bureau Vallée de Guyane, où le réseau s'accorde à dire « Il est très important que l'enseigne s'engage fortement vers une démarche écologique. » Nous filtrons les produits que nous vendons grâce à la notation en 2009. Cette note permet d'informer le consommateur et de challenger les fournisseurs sur l'impact écologique et social de leurs produits et ainsi faire bouger les choses. Comment ça se passe? Un organisme indépendant interroge les fournisseurs sur plusieurs aspects comme le respect de la réglementation, l'origine des produits, les matériaux qui les composent et beaucoup d'autres critères encore. Bref, tout ce qui peut nous indiquer que leurs produits prennent en compte le respect de la nature et des hommes. Par exemple, selon l'usage, la toxicité est évaluée, notamment pour l'école, les produits d'entretien et le matériel d'écriture. Et pour vérifier les réponses données par les fournisseurs, nous leur demandons des éléments de preuve, mais bientôt, nous les auditerons. Une fois les questionnaires complétés et les éléments de preuve vérifiés, les produits obtiennent une note allant de A à E. A étant le meilleur de sa catégorie et D ayant une grosse marge de progrès. E, quant à lui, ne respecte pas la réglementation et n'a donc pas sa place dans vos rayons. Et toutes les gammes de produits sont concernées. Et avec une note supérieure à C, un produit obtient l'autorisation d'être mis en avant sur les opérations commerciales. Alors, consommez citoyen et écologique, car votre achat est un vote.